Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Flouze aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Du coup, aujourd'hui, on va parler tout simplement des meilleurs paramètres pour la manette. Officiellement, nous sommes le deuxième jour de cette saison 3 sur Fortnite. Et ça, je pense que t'as pu le voir à ma tête. J'en suis bien content parce que cette saison-là est juste incroyable pour le moment. Du coup, les gars, restez bien connectés parce que franchement, cette saison va être juste incroyable. Du coup, les gars, comme tu penses le voir à la miniature, on va parler tout simplement des meilleurs paramètres à la manette pour cette saison 3. Du coup, pour ma part, je joue avec une manette de chez la marque Nakon, une manette sans palette que vous avez pu voir je ne sais combien de fois. Du coup, pour ceux qui veulent simplement avoir la référence et comment je joue avec, n'hésite pas à aller voir tout simplement ma vidéo unboxing pour ça. Donc les petits potes, si vous kiffez les vidéos paramètres pour simplement les joueurs manettes, que ça soit la configuration ou les settings ou même simplement ma jouabilité avec, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. Je vous donne un objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre les 1000 pouces bleus. Je vous le demande jamais en ce moment, mais si on pourrait l'obtenir, ça pourrait me faire super plaisir. Donc merci à ceux qui le feront. C'est ma première vidéo en facecam pour ceux qui me découvrent. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne YouTube. Désolé si j'ai pas encore l'habitude simplement de regarder la caméra quand je parle ou quand je vous montre des gameplays. Du coup, dans cette vidéo, vous allez voir simplement mes settings dans quelques instants avec ma meilleure configuration. Je vous en parlerai en même temps dans mes games que je vous montrerai tout simplement avec les meilleures compilations que j'ai pu avoir hier en live. Et tout simplement les frérots, si vous aussi vous kiffez les lives pour Arène Champion, n'hésite pas à me rejoindre tous les soirs à partir de 21h pour simplement tenter d'être le champion le plus rapidement possible à la manette. Sur ce les gars, je vous laisse, merci à tous ceux qui regardent la vidéo. N'oubliez pas le petit code créateur aussi, FLOOZYT dans la boutique. Merci à ceux qui le mettront. Objectif 500 simplement soutien pour simplement faire gagner 2500 V-Bucks. Et sur ce, bonne vidéo. Donc on perd pas plus de temps, on se retrouve directement dans les paramètres avec la course auto, oui. Construire immédiatement, oui aussi. C'est pas nos murs. 82, Brock, mort. Durée de pression pour modifier 0,100, ça change pas. Nous sommes pas simplement en edit avec le rond. Vibration, je mets non, j'aime pas du tout. Mettez-le si vous avez envie, je vous le conseille ou pas. Moi pour ma part, ça m'ira, je ne le mets pas parce que ça me sert à rien. La sensibilité de caméra et la sensibilité de visée restera à 8 pour le moment. Je verrai si je ne le baisserai pas à 7 simplement pour la visée et garder 8 pour la caméra. On verra simplement dans les semaines à venir. Mon multiplicateur de visée et simplement de modification tout simplement encore toujours 2,1 en puissance. Je le garde. De base on était à 2 à l'époque, maintenant on l'a monté à 2,1. Quand je le redescends à 2, je me trouve un peu plus lent. Donc je garde à 2,1, je m'entraîne avec tout simplement pour être le plus fit possible tous les jours. Sachant que vous allez voir dans quelques instants, je vais vous dire en quoi je joue et vous allez être choqués. Du coup, utiliser l'option avancée, oui, comme d'habitude, maintenant on ne peut plus mettre Legacy, c'est-à-dire les anciens paramètres et avec les options en plus, malheureusement. Du coup, avancée sensibilité de caméra, on aura la vitesse de caméra horizontale et verticale 61 et 75. Je sais pas à quoi ça sert vraiment, ça fait longtemps que je les ai laissés comme ça. Pour ma part, ça me va. Je veille un petit peu plus m'entraîner dessus pour voir un petit peu si ça peut changer ou pas des modifs avec vous. Du coup, pour les accélérations de rotation horizontale et verticale, je mets à 0 pour l'instant. Ça ne me sert à rien, je sais pas si c'est tout nouveau ou pas. Dites-le moi dans les commentaires. Au passage aussi, n'hésitez pas à me dire si vous êtes team PS4 ou Xbox en termes de manette. Moi pour ma part, je suis sur PC avec une manette PS4. Du coup, merci à ceux qui le feront. Durée avant vitesse max pour l'instant, c'est à 0,20. Je laisse comme ça. Vous, dans les commentaires, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça changera rien réellement. Accélération instantanée de construction non plus. On passe encore dans les avancées en sensibilité. Du coup, pour les vitesses de caméra horizontale visée, 33%. Vitesse de caméra verticale visée, 41%. Pareil, 0 aussi encore, comme pour la sensibilité de caméra. Et la visée, c'est la même, 0,00. Durée avant vitesse max aussi, c'est 0,20. Et là, on va simplement passer à un très très gros drame. On va parler de la courbe de vision exponentielle pour moi. Pourquoi? Pour ma part, j'ai été beaucoup habitué au Legacy. C'est simplement améliorer son aide à la visée énormément et tout en restant un petit peu fluide dans les edits. Beaucoup de joueurs manettes me conseillent de passer tout simplement en linéaire. Il faut savoir que le linéaire te rendra 10 fois plus fluide, mais tu perdras un petit peu de shoot déjà au loin. Et ça, c'est vraiment pas une chose que je veux perdre, sachant que déjà le shoot au loin est trop trop important en ce moment pour mettre des lasers, mettre de la pression aux ennemis. Et ça, j'ai pas envie de le perdre. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je teste une semaine de linéaire, je pense, tout en restant dans ma tête que je suis un joueur expo. Du coup, pour ma part, qu'est-ce que je vous conseille réellement? Si vous êtes une personne qui veut rendre beaucoup plus fluide ses edits, le linéaire pour vous. Si vous êtes une personne qui s'en fout de sa POV, c'est-à-dire comment vous jouez et vous voulez juste tirer sur des mecs ou les spam, exponentiel pour vous. Alors, quand vous êtes en tournoi, d'abord, il faut savoir si vous voulez être simplement le chef de votre équipe
vous vous mettez en linéaire. Si vous êtes la personne qui veut juste tirer sur des gens, je te mets en expo. Voilà un petit peu les conseils que je peux te donner pour ça. Après, aussi, pour ceux qui veulent savoir comment ça rend en linéaire, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube, ou simplement, il y a 4 mois en arrière, pendant le chapitre 1, j'avais testé le linéaire, et vous avez pu voir les rendus que ça a pu rendre. C'était quand même cool, mais pour ma part, je suis très vite reparti en Legacy ou en Expo maintenant. Du coup, après, pour les zones mortes, on reste à 7, ça c'est vraiment une validité. Donc n'hésitez pas, vous aussi dans les commentaires, à me dire si vous aimez ou pas. Et par contre, pour activer le contrôleur pour pied, j'ai mis non, mais par contre, pour les zones mortes, j'ai mis 100% les deux. Alors ça de base c'était un atout qui était insane, donc maintenant je sais pas si on remarche comme avant, mais je l'ai toujours laissé, ça m'a rien changé réellement. On passe maintenant simplement au setting du coup pour la manette, je joue simplement en personnalisé. Il faut savoir que mes deux joysticks qui sont là les potes me servent à éditer et à confirmer. Du coup ce n'est pas mon rond que tu peux voir ici là pour confirmer ou pour éditer, mais bien sûr mes deux joysticks. Alors la commande de combat je vous laisse quelques instants avec. On continue avec la commande de construction cette fois-ci aussi, je te laisse quelques secondes pour regarder. Et pour finir, modifier les commandes, je te laisse encore quelques secondes pour regarder. Et pour finir en beauté, ma zone morte que tu as pu voir tout simplement dans mes settings. Alors maintenant les amis, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et bien sûr aussi sur mes réseaux sociaux. Pour le moment, mes settings sont très bien pour la saison 3. Je vais te montrer quelques gameplays en même temps que je parle simplement pour voir un petit peu le résultat. Si ta vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. Sur ce les gars, c'était Flouze, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent, nous sommes bientôt aux 50 000 abonnés, sur ce c'était Flouze, peace! Senti, c'est bien. Rock. Hop. GG. Et hop là. Et hop. Ça dégage toi. Non, rien. Oh mon 115 là gros. Oh. Oh mon dieu. Les gars, je suis archi loin de vous. Rock blanc, un HP. Je suis archi loin. Les gars, taillez-vous, taillez-vous. Mort. Je suis un kraken par contre à la manette. Fais non mais par toi. Oh tu survis. Oh non. Je vous meurs pas gros. C'est qu'un détail mon ref. Mais t'as un bad. Non mais t'inquiète. Il y a le loot à côté de lui. En vrai il a des poissons, je sais pas quoi. Elle va faire du moins 5 mais. Non tu trolls. Pour ne rien faire. Putain et en fait y'en a un qui reste au high. Nice. Bon, je lui ai compté son high. Il a un HP sur Tiger. Un HP derrière toi. Let's go. Un mec. Dernière manche. Je sais pas si on peut faire égalité. Ok sur moi. Allez Fuse. Allez Fuse. Je te dérange pas trop lui en haut. Oh ça casse, ça casse, ça casse. 36, 72. Bien vu, bien vu, on les a. Mort. Mort. En fait je sais pas, il va pas me lâcher, je suis mort. Il a plus de build. C'est la merde en vrai, c'est lui qui peut le coup là. Putain mais il fallait pas dire du tout. Ça se coupe pas mec. Je suis un monstre. C'est lui qui m'a tué. Wesh, il est mort avant moi carrément. 72 secondes. Mais gros, en fait, je vais sur pour la Midas, gros. Elle est pas batchée par contre. Elle te met toutes ses balles dans la tête. Hein. Mais il y a 0 balles qui rentrent. Bien joué. Je suis un fucking monstre en fait. Je suis le meilleur joueur. Ti, 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 bah ti.